Mardi 22 mars 2016, vers 8h du matin, l'aéroport international de Bruxelles Zaventem est touché en premier par des attaques revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. Des témoins font état de tirs puis de deux très fortes explosions. Les dégâts sont considérables dans la zone du hall des départs, dont la façade de verre extérieure est soufflée. Environ une heure plus tard, vers 9h, une autre attaque vise la station de métro Malbec, située en plein cœur du quartier européen, à 300 mètres notamment de la Commission européenne. Tous les transports publics sont immédiatement fermés à Bruxelles et la sécurité renforcée dans la plupart des aéroports européens. Ces explosions sont intervenues 4 jours après la capture spectaculaire dans la commune bruxelloise de Molenbeek de Salah Abdeslam, suspect clé des attentats qui avait fait 130 morts à Paris en novembre 2015 et avait déjà été revendiqué par le groupe État islamique.